uniquement pour lui. Non, attendez. Oh ça, des renseignements, j'en ai à profusion. Le Kingpin. Et ouais, c'est son nom anglais ça, le Kingpin. Ouais. Kingpin, c'est le roi du pin. Je sais plus ce que c'est. Bah, le pin, c'est ce que tu tapes sur ton téléphone. Oui. Mais c'est le roi du pin, c'est voilà, le roi des réseaux mobiles. C'est le roi. Ouais, voilà. Viens chercher bonheur. Toi aussi, va chercher bonheur chez ton marchand de journaux. Tu vois. Exactement. Viens chercher bonheur chez. Voilà, voilà. C'est un petit peu Rodolphe en fait, le Kingpin. Ouais. Le French Kiss. Quoi? Rodolphe, le French Kiss. Ah, oui, Rodolphe, le French Kiss. Étape numéro 1. The French Kiss. Il a frais, il a tout compris. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon, là. C'est devenu Robocop, mais pas gentil. On dirait qu'il va faire quelque chose avec ses tentacules. Hein, c'est... Attends, il avait pas deux bras là, Spider-Man ? Comment ça, deux bras ? Du même côté. Attends, déjà tout à l'heure, ce plan m'avait intrigué un peu. Attends, pas fait gaffe du tout. Attends, il va le serrer dans ses bras et Spider-Man va genre sortir un de ses bras. Je dois réagir. Non, non, c'est son autre bras dans le dos. D'accord, oui, c'est son autre bras dans le dos. Oui, non, c'est vrai que ça porte à confusion. C'est vrai, c'est très... D'accord, le plan est très étrange. Putain. C'est lui qui avait deux bras, tu me dis. Ah bah ouais, ça revient, il fait des pelotons de manguerie. Voilà, c'est ça, et ouais, la mutation, c'est... Ah, ça y est. Il tombe dans l'infini. Attends, attends, faut... on compte les étages, s'il te plaît. Allez. On va compter les étages. Alors. Déjà l'infini. Alors là, il n'y en a aucun. Il n'y a pas d'étage. Un. Alors, un. Deux. Un. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. C'est un gratte-ciel, je pense. Ça n'est pas l'air si haut pourtant. Hein. Ah bah ouais. Et maintenant, un débat sur l'élitisme par les honorables membres de la cabane du détour. Comment arriver à vaincre tes ennemis, c'est pourquoi... Parce que... Oui, pour... Non. Ah merde. Il faut qu'on réfléchisse à ce sujet. Pourquoi peut-il t'éliminer ? Ah non, oui, non, parce que oui, concrètement, s'il y a une élite, il est normal... Enfin, si t'as une élite et que tu fais partie de cette élite, il est normal d'être élitiste. Du coup, dans ce cas-là, c'est normal, je veux dire... Techniquement, oui. Tu vois, il y a une élite. Mark Zuckerberg, Bill Gates, tous les mecs pétés de pognon, tout récemment, Isabelle Bettencourt. Enfin, elle y était encore, il y a récemment. Isabelle Bettencourt. Tu parles de Liliane, plutôt. Liliane. Ouais. C'est... Mais elle est morte. Mais justement, c'est pour ça, elle y était. Elle y était, mais elle y est plus. Tout récemment, oui. Enfin, ça fait une semaine. Qu'elle est morte. Elle est morte. Ouais. Donc qu'elle n'en fait plus partie. Et ouais, ça fait tout récemment, jusqu'à tout récemment, elle y était. Jusque, ouais. Il y a le stream, si tu veux, on rembobine, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. C'est bien ce que t'as dit. J'ai planté, j'ai planté. Non, je pense que tu m'as mal compris. Du coup, moi, je voulais dire, si forcément, du coup, il y a une élite. Mais évidemment, c'est plutôt péjoratif. Par rapport aux gens qui ne font pas partie ou aux gens qui en font partie? Enfin, c'est... Alors, en général, c'est péjoratif. Hein. Quand on dit que quelqu'un qui est élitiste, c'est quelqu'un qui se pense au-dessus et qui le montre, quoi. Ouais. Mais du coup, la personne qui se pense au-dessus et qui le montre, on n'en a rien à foutre. Et donc, enfin, c'est grave. Ouais.
Alors, comment c'est pour elle? Ça n'empêche pas qu'elle est élitiste. Je comprends pas. Ah non, moi. Je veux dire que lui, ils sont. Ouais, voilà. C'est genre, il est riche, mais ils sont en train de vendre. C'est ça que j'essaye de dire. Ouais. Super. Du coup, à la base, on disait quoi? Vous êtes élitiste. Ah oui, on est élitiste, hein. Voilà. Oui, mais parce qu'en fait, du coup, parce qu'on est conscient qu'on fait partie de l'élite, et du coup, bah ouais. Mais je sais plus pourquoi on est élitiste, en fait. Parce qu'on criait. Ah! C'est pas utile de crier. On n'est pas supérieur à toi parce qu'on crie, on est juste fou. On est fou, non? Non, on est fou. On est fou. On est fou. Non, mais là, à la base, Marc m'a dit, t'es élitiste. Moi, j'ai dit, c'est vous qui êtes élitiste. Ah, mais en fait, c'est Marc qui dit de la merde. Marc, tu dis de la merde. Quoi, non? Mon point de vue était fondé et se basait sur des faits scientifiques. Vas-y, dis-moi. Dis-moi tout. À savoir, il est entré. Et là, mis un pas devant l'autre. C'est super élitiste. Attends. Genre, voilà. Vous pensez au-dessus de moi parce que vous criez. Du coup, vous êtes élitiste. On pense plus fort. Mais ouais, plus fort, mais pas plus supérieur. Mais pas supérieur. Parce que fort n'est pas égal à supérieur. Si. Bah, ça pourrait être supérieur en gamme de ton. Mais c'est tout. Et maintenant, un nouveau débat. Batman, justicier ou fraude? Par les très honorables membres de la cabane du détour. Ouais, on va essayer de mais dans profiter Batman, un petit peu. Dans Batman, ils n'ont pas de Madame Web. J'avoue. Madame Web. Ouais, la... C'est une vieille... Une meuf qui assiste... C'est parce que Smith travaille pour le cahier. Elle assiste pas, mais... Genre elle voit l'avenir et elle a des sortes de pouvoirs d'araignée et genre, et elle a les lunettes de The Osborn, ce qui fait d'elle un personnage instantanément cool. All aboard! Et puis elle a une queue de sirène. Ah bon? Ouais, elle a pas une queue de sirène, mais elle a des vêtements qui débouchent pas par des pieds. C'est fermé au bout, du coup elle peut pas marcher. Je sais pas ce qu'elle est handicapée. D'accord. Elle est restée tellement longtemps sur la toile que... Et puis elle est trop mystique, tu vois. Ouais. Et ouais, alors qu'il y a personne dans Batman, il y a pas une vieille qui dit à Batman « Ouais, t'es relié par la cave des chauves-souris. » Batman, il a pas besoin, il couvre tout ça. Bah ouais, mais voilà, Batman, il est riche, mais la richesse, ça ne fait pas tout. Voilà. Ouais, c'est un problème. Alors... Bah oui, c'est un problème de la toile. Il est parti de zéro. Exact. Il a grandi dans la street. Il a de la street cred, Spider-Man. Mais c'est toi, mais... Ah bah ouais, ça c'est, bah, Spider-Man aussi, c'est bien un truc de riche, genre à faire des vlogs autour du monde, genre je me suis entraîné avec les moines Taichi, ils m'ont joué sans argent. Bah Spider-Man, il est s'il est parti sans argent, comment il a voyagé? Il est allé en Floride. Ça coûte cher. À pied, bien sûr, tu vois, à travers les océans. Bah ouais, mais la bouffe, le camping, les réchauds pour se faire cuisiner le soir. Au début, il a utilisé un peu d'argent, et après il a appris des trucs pour plus en avoir besoin. De toute façon, il a vécu dans des communautés, du coup. Ok. Je laisse passer pour cette fois. Mais attention, interro surprise demain matin. Ouais. Bande d'élitistes.